Salut à toutes et à tous, c'est Ian et bienvenue pour ce 7ème épisode de Harry Potter et les Reliques de la Mort, seconde partie sur PC et toujours en compagnie des deux protagonistes principaux, c'est-à-dire Harry et Ron, parce que l'autre, elle ne sert à rien. Donc, c'est parti, on continue là où on vient de s'arrêter, c'est-à-dire pas grand-chose. Quand tu veux. Si on va à Disneyland, il n'y a pas de souci. Et oui, mais il n'y a rien. Wow, il y a des bugs un petit peu partout. On va se calmer. Ah, Osiris et Parabis, tu es un sanglier. Bon. On n'a pas de temps à perdre. Oui, bien sûr, t'as cru que c'était mon... Non ? Non, j'ai pas dit mon dernier mot encore. Voilà. Ron, tu pourrais te réveiller s'il te plaît ? Allez ! Feignant ! Merci. Bien joué, Harry ! Tu croyais vraiment qu'on te laisserait passer, Potter ? Oui. Bah, je suis Harry Potter quand même, je suis pas n'importe qui. Vous pouvez pas filer. Si, regarde la preuve. Non, mais y'a rien là encore. Hein. La vache, c'était cool. Ouais, non mais je sais qu'il faut aller là-bas. Boum. Nouveau personnage. Bellatrix Lestrange. Sympa. Cette porte devrait mener à l'escalier de marbre. Parfait. Mais il serait peut-être temps qu'on y aille, l'escalier de marbre. Allez Hermione, on te défend, je te promets, on te défend. Bon par contre, tarde pas ton... voilà, hein, voilà. 12. Tarde pas trop non plus. Je veux bien te défendre, mais il y a des limites quand même. Voilà, par exemple, là t'as trop de temps. Allez, salut. Perpétitus totalus. Confindo. Ils sont plus forts qu'on croyait. Andolari. Le gars, où est là? Le seigneur des ténèbres le tient. Tu m'en fous sur quoi? Et toi? Genre tu touches Hermione. Vous ne prendrez pas Poudlard si facilement. Voilà. Salut. C'est bon. Venez. Merci. Eh ben mon dieu. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Bah pas grand chose ma vieille. Pas grand chose. Eh ben, que d'aventure les amis, que d'aventure. J'espère que vous avez aimé le précédent épisode, même si il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il fallait avancer un tout petit peu dans l'histoire.
On a récupéré le diadème, on l'a détruit. J'aurais peut-être dû commenter tout ça. Et là, on essaye vraiment de retrouver Voldinounet au hangar. Il faut qu'on se dépêche. Par ici. Alors déjà, toi, tu me donnes pas d'ordre, s'il te plaît, Hermione. Oh non, mais je monte pas encore, moi. Je veux explorer un tout petit peu. Bon, je monte, vu qu'il n'y a pas le choix. Je peux encore monter. Oh. Est-ce que je vais le faire? Non. Voilà, voilà. Je me demande s'ils sont montés ou s'ils sont descendus. Ok. Donc moi je monte. Ce qui me paraît plutôt logique. Et boum! Et il nous en reste plus qu'un. Magnifique. Salut Ron, salut Hermione. On dirait que le château commence à s'écrouler. Attention! Oh la vache. Harry, le combat s'amplifie. Tu vas devoir trouver un autre chemin. Ah, il est là-bas le truc en plus. On te retrouve pas en bas. On est pas mal là. C'est en bas le truc. You were on. On a perdu Ron. Que je suis paumé. Ah oui, d'accord, faut descendre. Ok. Parce que j'ai pas envie de le louper en fait le truc. Descendre ou faut monter en fait. Faut monter. Mais on ne peut pas monter. Donc il faut descendre. Eh ben on a eu chaud les cocos. C'est pas loyal de nous attaquer dans les escaliers. Mais dégagez, oui. Je t'ai eu. Ah, salut. Harry Potter est ici. Bah viens. Ah, on a débloqué Hermione. Et on a tous les objets, donc maintenant je vais pouvoir me concentrer plus sur le combat. Protego ! Tu fais vite ! J'ai craqué tes yeux !
t'es là-bas, toi. Nickel. Harry, tu as réussi. Bah j'ai un petit peu failli pas venir en fait. Je les avais pas vus les deux là. Ces mecs, c'est pas drôle. Potter est là. Le combat a l'air acharné. Pas mal. Mais moi, je suis encore plus acharné qu'eux. Bon, eh ben on avance, je suis en train de regarder, 12 minutes, quoi, on est qu'à 12 minutes, c'est très très bon ça. N'oublie pas de te mettre à l'abri, c'est ça ouais, c'est ce que vous avez dit pour Harry et, bah pour les parents de Harry, hein. Oh, quel dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Hein. Qu'est-ce qu'il est ? Ok. D'accord. Stop ! Allez, salut. J'adore dire allez, salut. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis en train de gagner. Voilà, allez, fais-moi rire. Fais-moi rire. Allez, c'était nul. Allez, toi, t'as morflé là.
salut. Bon là vous me faites tout chier là. Je sais bien que la vidéo doit pas être super super passionnante. Magnifique, et puis on a encore le temps pour finir le niveau. Ça, si c'est pas beau, ça. Si ça, c'est pas magnifique, hein? Oui, je gueule un peu, oui. Oh, je suis exténué. Dernière vidéo d'aujourd'hui, et puis je vous promets que les prochaines, en plus, on arrivera sans doute vers la fin du jeu. Je vous promets que les prochaines seront un peu plus énergiques. Là, j'en ai fait deux pour avancer. Mais en tout cas, voilà. Même si elles sont pas... énergique à souhait, au moins elles avancent dans l'intrigue principale. J'espère qu'Hermione va bien. Moi bah attends, on va regarder. Allons vite au hangar, on l'attendra là-bas. T'as raison. Merci. Protego ! On va prendre. Voilà. On devrait voir des trucs. Ça marche pas. On voit pas Hermione hein. Ah si, on voit Hermione. C'est bel et bien Hermione. Et on peut pas la toucher, regardez. Donc c'est bien. C'est bel et bien pas une cinématique. C'est bien fait, j'aime bien. Bon, on va avancer un tout petit peu quand même. Pas étonnant si Voldemort est là aussi. Occupons-nous deux avant qu'il nous voie. Andolorus. Une sédimenta. Ah, bien visé. Salut. Allez, salut, ferme tes gueules. Cordialement.
J'ai compris je les couilles, Harry. Excusez-moi, mais je me suis dit, Ron, tu as bien changé, dis donc. C'est l'avant des Hermione qui doivent être inquiètes. Tu sais que je te vois. Oups. Je te vois toujours. Est-ce qu'on peut voir Voldemort de là? Ça pourrait être drôle. C'était le dernier. Tant mieux, parce qu'on se rapproche. Ne faisons pas de bruit. Hé, hey, attendez-moi. C'est Hermione. Genre ? Mais comment t'as fait ? Waouh. J'adore, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. Ils ont fait un putain de boulot. J'aimerais bien voir Voldemort juste avant... Quand même. Bon, tant pis. On va le voir au moins dans la cinématique. Donc... Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Vous avez accompli de grandes choses avec la baguette de Suro, maître. Ce soir, quand le garçon viendra, elle ne vous décevra pas. C'est à vous seulement qu'elle obéit. La baguette obéit au sorcier qui a tué son maître précédent, Severus. Tu as tué Dumbledore. Tant que tu vivras, elle ne pourra pas m'appartenir complètement. Maître. Tu. Prenez mes souvenirs. Vous avez les yeux de votre mère. Mais elle est morte. Son fils est vivant. Si vous aimiez vraiment Lily Potter, vous le protégeriez. Personne ne s'attend vraiment à ce que le jeune Drago Malfoy réussisse à vous tuer. S'il échoue, Voldemort se tournera vers vous. Vous savez que cette malédiction me tuera. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Pour gagner la confiance totale de Voldemort. Harry devra savoir une chose lorsque Voldemort sera le plus vulnérable. Quand Lily Potter s'est sacrifiée pour son fils, le sortilège a rebondi. Une part de l'âme de Voldemort s'est accrochée au seul être vivant qu'elle a trouvé. Harry. Donc, quand l'heure viendra, le garçon mourra. Oui, et c'est Voldemort lui-même qui doit le tuer. Ils ont tué Lupin. Et Fred. Harry Potter, je m'adresse directement à toi. Rejoins-moi dans la forêt interdite et affronte ton destin. Viens me rejoindre, je ne ferai plus jamais bien le sens. Je dois y aller. Maintenant. Ça va pas, non ? J'ai pas le choix. Tuez le serpent, et je m'occupe de lui. Après, tout sera fini.
Eh bien, c'est qu'Harry prend conscience de la trahison de Dumbledore. Non, je rigole. C'est pas une trahison, mais bon, vous savez ce que je ressens à chaque fois que j'entends ça. Enfin bref. On va s'arrêter là. Hein, cette cinématique m'a un petit peu bouleversé, et puis, je commence à fatiguer, donc... Voilà, oui, c'est vrai, je suis de plus en plus faible. Que dites-vous ? Que dites-vous de ça ? Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez aimer cette vidéo, commentez-la. Et on se retrouve... pour la 8e partie, déjà, de Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est 2e partie. Il ne reste qu'une chose à faire. Et c'est vraiment triste. C'est la fin. Harry Potter doit mourir. Et c'est cool! Salut à tous! Ciao bye bye! Tout de suite, tout trop! Salut à tous! Ciao bye bye!